Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui n'est pas un tarot nouveau, c'est un tarot qui a été créé en 2000, en tout cas qui est sorti en 2000, on voit la date ici, qui s'appelle The Stone Tarot et donc qui a été créé par Alison Stone qui est aussi une poétesse. Donc d'ailleurs elle a fait, je crois, un livre avec des poésies qui correspondent à chaque carte, mais donc là on a le tarot. Donc c'est un tarot auto-publié des années 2000, donc la boîte elle est toute simple et tout le travail est plutôt a été apporté sur les peintures qui sont des peintures à l'huile. Alors j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il a une sorte de... Enfin, en tout cas, moi, il me fait penser un petit peu aux œuvres de Gauguin. Donc, j'aime beaucoup ce travail de la couleur et ce côté de peinture à l'huile avec des couleurs assez flash. Et puis, vous allez voir aussi, on a des représentations qui sont, en tout cas, qui moi m'ont touché et que je trouve très sympa. C'est un tarot qui est très terrestre, très ancré à la terre. Avec des couleurs, comme vous voyez, voilà, assez chaudes. Donc voilà, alors, on a ce dos. On a des cartes qui sont de bonne qualité, qui sont souples. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, on a des cartes qui sont de plutôt rigides. Là, c'est voilà, c'est de la carte... On va dire standard type carte à jouer. Au niveau de la taille, on a c'est une taille. Alors, attendez, je vais prendre un oracle. Je pense que c'est la taille d'un oracle ou peut-être. Oui, voilà, un petit peu plus, un petit peu moins large qu'un oracle, mais donc on a voilà, on a cette taille de carte qui est assez grande et qui donc permet de profiter de l'œuvre. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de vert profond, de rouge profond, de violet, de bleu. Elle a pas mal travaillé les couleurs en fonction de son ressenti pour être en lien, enfin pour qu'il y ait quelque chose de spirituel qui ressorte de son jeu. Donc voilà, alors on a donc une base aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est une base du rider, mais vous allez voir que les représentations au niveau des mineurs, on a quelque chose de plus simple, même si on retrouve les significations du rider dans la carte. Regardez comme c'est joli. Donc il y a en fait un art qui fait un petit peu naïf dans les représentations. Mais avec, voilà, avec énormément de couleurs. Donc vous voyez que dans la Grande Prêtresse, on a beaucoup de symboles. On a les fruits du monde des enfers, en fait, la grenade. On a les phases de la lune. On a une croix. On a un parchemin. On a les deux piliers. On a des lettres aussi. Donc, il y a beaucoup de choses en fait dans les majeurs, beaucoup d'indices. Donc, on a aussi, vous voyez là, le lien à la planète. Là, cette représentation-là, elle me fait un petit peu plus penser peut-être à un Wyrth. Mais voilà, on a la robe rouge, le rouge profond avec du violet. On a les épis. On a les étoiles, la chevelure bleue. Donc on peut travailler, hein, pour les gens qui aiment travailler à partir des symboles, à travers aussi la couleur, bah c'est possible. Vous voyez qu'on a le pied aussi qui est sur la lune, donc ça c'est très rider. L'empereur avec le lien avec le signe du bélier. Le hiérophante. Avec le taureau. Donc même chose, hein, on a la coupe avec quelque chose qui ressemble plus à la tempérance d'ailleurs, une coupe rouge, une coupe bleue, une circulation entre les deux. Donc je pense qu'il y a pas mal de matière à faire aussi ses propres interprétations, son propre lien et sa propre histoire en fait avec le jeu.
Donc là, ici, les amoureux. Donc ce sont des cartes dans lesquelles il y a une certaine nudité. D'ailleurs, la vidéo, faudra peut-être que je la mette. Je verrai, faut peut-être que je la mette aux interdits au moins de 18 ans, parce que en fait, YouTube est devenu très. Il fait très attention à ça, parce qu'il y a tout le côté puritain américain. Bon, bref. Donc ici on a la force, j'aime beaucoup avec la couleur, le rouge, la couronne de rose, les cheveux un peu en feu du personnage qui sont de la même couleur que la queue de l'animal. Donc on a quelque chose, un lien qui est assez important. Et même chose, c'est une carte, je trouve, qui est très puissante pour cette carte de force. Alors l'ermite, vous voyez aussi qu'on a comment dire, l'ordre du rider. Donc on n'a pas la justice, on a la force en 8. La roue de fortune, où on retrouve les quatre animaux, enfin les quatre animaux, il y a un ange aussi, mais qu'on a d'habitude plutôt dans la carte du monde. Mais on retrouve aussi le sphinx avec le serpent qui descend. Et puis une sorte de, on dirait 7 un petit peu, qui remonte. Voilà, ces quatre symboles-là correspondent aussi aux quatre évangélistes. La justice, donc quelque chose aussi de. Voilà, on a beaucoup de rouge, on a le côté spirituel derrière avec la couleur violette, on a du bleu, on peut travailler avec les couleurs. Par exemple, les personnes qui ont commencé avec le tarot de Marseille et notamment le livre de Jodorowsky et de Marianne Costa, vous avez beaucoup de clés sur l'utilisation des couleurs qui peuvent aussi vous aider. Voilà le pendu. Donc on a un pendu qui est éclairé, hein. On n'a pas le pendu du tarot de Marseille. La mort avec le ciel en feu. Donc on a cette idée de rouge, de sang. Avec des têtes aussi de rois. Donc voilà, on est tous égaux devant la mort. La tempérance. Donc même chose, circulation entre le rouge et le bleu. Avec l'ange, avec l'arc-en-ciel. Le diable. Donc ici on a des personnages enchaînés mais qui n'ont pas l'air de souffrir comme dans certains jeux. Donc voilà, ça peut être aussi, enfin ce diable-là, il fait très païen, je trouve. Et on a plus cette idée d'attachement de l'âme à la matière. Voilà, donc pareil, beaucoup de petits détails que l'on peut aller explorer et qui peuvent permettre d'enrichir en fait la signification. Alors j'adore cette tour. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Vous voyez que quand même on a énormément de. En fait, on a pas mal de couleurs basiques mais profondes. Regardez l'étoile comme elle est belle aussi. Magnifique étoile. Elle a les cheveux rouges. On a les étoiles. On a l'eau, on a le pied, elle a le pied dans l'eau, donc on retrouve hein, les codes du tarot. Alors la lune avec le lien à, on dirait la grand-mère lune, hein, ça fait assez ésotérique je trouve, voire même païen, mais alors là, je dis grand-mère lune, ça fait assez amérindien, mais on a la même chose dans la culture grecque. Donc voilà, on a bien l'écrevisse, on a le chien et le loup. On a aussi hein, ce qu'on a dans le tarot de Marseille, les petites gouttes. Le soleil qui est éclatant avec le mur derrière, le soleil, les tournesols, le jugement. Et puis l'univers. Donc on retrouve hein, les quatre. Mais en trois aspects. Ici, donc dans les rouges, avec l'ombre de face et de côté. Puis on a la même chose. Ah, c'est peut-être aussi mâle et femelle, puisque là on a une lionne et un lion.
Et puis donc on a les planètes. Et ici on a un personnage androgyne qui est intéressant aussi. Alors après les mineurs, moi j'aime beaucoup en fait parce que ça peut être un jeu de transition entre le Rider et un Marseille, c'est-à-dire que on a le thème du Rider, mais on n'a pas de personnage, on n'a pas une scène de vie, on a plutôt juste des objets et un paysage. Donc par exemple, dans le Rider, on a le personnage qui avec les trois bâtons et qui regarde un bateau qui arrive à l'horizon. Donc ici, on a tout sauf le bateau et le personnage. Voilà, le 4 de bâton, on retrouve les 4 bâtons avec le petit bandeau, on a cette idée de célébration et on a ce soleil éclatant. Le 5 de bâton, avec soi, cette idée de, voilà, c'est ces bâtons qui s'entremêlent, avec peut-être un entraînement ou peut-être un combat. Donc avec voilà, cette énergie du rider, le 6, la victoire, vous voyez qu'il ressemble un petit peu au 4. Le 7. Donc même chose, plutôt, on va reconnaître plutôt le positionnement des bâtons. Ici le 8, donc on reconnaît bien avec cette idée de vitesse. Le 9 de bâton avec on a l'impression qu'on est à l'aube, cette période d'aube avec le soleil couchant. Non, c'est pas l'aube d'ailleurs, c'est plutôt le crépuscule. Et puis ce 9 de bâton. Et puis voilà, le 10 de bâton avec quelque chose de lourd à porter. Alors ensuite, on va avoir en fonction des suites. Donc ici, on a un page et un cavalier, mais vous allez voir plus loin, on va avoir sur les suites qui sont des suites de yin, féminine, donc une amazone et un cavalier. Et là, on aura un personnage féminin. Et à chaque fois, on va avoir une inversion. C'est-à-dire ici, pour le page, on a un personnage féminin avec un personnage masculin sur le cheval. Regardez comme c'est beau. Avec donc le soleil, avec le lion. C'est vraiment très beau. La reine de bâton et le roi avec le lion. Et puis donc après, nous allons passer aux coupes. Donc vous voyez ici, on a quelque chose de symbolique. Ici, on a la circulation entre les deux coupes. Ici, quelque chose un peu festif avec voilà, cette réunion des trois coupes. Le 4 de coupe, on sent l'énergie sombre que l'on a dans le rider. Sur le 5, même chose, hein, on reconnaît un petit peu une partie des images du Rider-Waite. Le 6 de coupe, ben celui-là je trouve un peu plus difficile un peu plus difficile à reconnaître. Et puis sur le 7, on dirait presque comment dire, une influence du tarot Thoth. Ça ressemble plus à un Thoth. Le 8 avec la route et les coupes derrière. Le 9, super joli. J'aime beaucoup. Et puis le 10. Et ensuite, donc, on va avoir le page. Elles sont super jolies ces cartes. L'Amazone. Donc là, elle est sur l'Amazone et sur le cheval. Hein, c'est le cavalier. Donc le page est masculin, pardon. Ici, a un corps masculin. Et l'Amazone a un corps féminin. Et puis donc, on a la reine et le roi. Alors après, nous passons aux épées. Le 2 d'épée, alors vous voyez qu'il trempe dans un liquide qui a l'air d'être du sang. Donc on a ce côté un peu difficile au niveau du choix, entre le sang et l'eau. Donc un peu aussi, on peut énormément broder hein, entre l'incarné et puis quelque chose de plus émotionnel. Entre la paix que l'on peut voir peut-être dans ce tableau derrière et quelque chose de plus sanglant dans comment dire, la façon de communiquer, hein, les pensées, les mots peuvent trancher et donc être sanglants. Donc voilà, on peut travailler à partir de ces détails.
Donc ici le 3 d'épée, donc ça c'est très très rider. Le 4, même chose, on voit les 4 épées qui sont couchées avec le repos. Le 5 avec voilà l'épée qui a l'air d'avoir gagné, mais quand même il y a du sang de partout. Le 6, alors là, les 6 épées qui ne sont pas dans un bateau, mais qui ont l'air de circuler. Elles sont toutes les 6 plantées sur une sorte de bois peut-être qui navigue. Le 7. Le 8, donc là, au lieu d'avoir un personnage bloqué entre les épées, on a une fleur. Donc ça peut être aussi quelque chose de lié. Du coup, ça ouvre l'interprétation de cette carte sur, par exemple, la préservation de l'environnement. Le 9, avec les cauchemars. Et puis le 10. Donc là, même chose, les épées ne sont pas plantées dans un corps, mais on a des épées plantées dans la terre, avec la terre qui saigne. Le page, donc personnage avec un corps féminin. Le cavalier, avec un corps plutôt masculin, avec des ailes. J'adore les cartes de cour. Et surtout, justement, le page et le cavalier. La reine d'épée. Donc, vous voyez quelque chose d'assez naïf hein, dans la façon de dessiner, même un peu plus sur celle-ci. Je la trouve. Et puis, donc, le cavalier d'épée. L'as de pentacle, comme une fleur. Le 2. Donc, le 3, avec cette collaboration qui a permis de créer cette pyramide. Et là, on va travailler pas mal en géométrie, en fait. Donc le 3 avec le triangle, le 4 avec le carré. Donc le 5, on reconnaît, hein, quand on connaît bien le rider, hein, c'est cette idée d'être à l'extérieur et c'est difficile, on a ce sang qui coule, mais on a peut-être la possibilité d'aller à l'intérieur et d'aller vers la lumière. Le 6, on a ce partage, à travers, en tout cas, cette circulation. À travers ces petits points qui descendent vers le bas et qui vont permettre peut-être de faire germer quelque chose d'autre. Donc même chose, des symboles tout simples mais qui peuvent évoquer des choses. Le 7, super joli. Le 8 de Pentacle avec celui-là, celle-ci, il faut que je réfléchisse. On a cette idée de, vous voyez, on est dans un volcan et on a cette lave de votre volcan. Donc peut-être voilà quelque chose qui se prépare et qui va remonter à la surface pour créer quelque chose, une sorte d'explosion. Mais du coup on a presque une sorte d'énergie yang qui est retenue dans la montagne. Alors le 9 de Pentacle. Donc on a cette idée aussi avec le vert sur l'espoir. Et ici aussi ce cœur de spiritualité. Donc on n'est pas seulement dans quelque chose de très matériel, on est aussi dans quelque chose d'assez spirituel. J'adore le 10 de Pentacle, l'énergie avec les différentes couleurs. Alors ça permet aussi de sortir des illustrations qui sont très liées, enfin qui sont très normatives. C'est-à-dire dans le rider et dans beaucoup de tarot, on a des choses qui sont vraiment dans la norme avec un couple qui a voilà, un corps féminin, un corps masculin, avec des enfants, avec une famille. Donc ça peut être enfermant pour parce que quand on n'est pas dans la norme, on ne va pas forcément se reconnaître. Et puis donc aussi, je trouve qu'au niveau des représentations des personnages, on a des personnages dans lesquels on peut se projeter facilement. Voilà, quelle que soit notre couleur de peau, puisque c'est un sujet qui est assez brûlant en ce moment, je trouve qu'il y a une grande facilité à se projeter dans les différents personnages. Voilà, là, j'adore ces deux cartes, je les trouve aussi vraiment, vraiment très très belles. Voilà, on a la reine de Pentacle, aussi qui est intéressante. Dans la façon qu'elle a de tenir le bois, le lien avec le lapin aussi, donc ou avec le lièvre, avec les roses. Donc voilà, à nouveau beaucoup de choses. Et vous voyez que
Tous les personnages sont dans le même environnement. Et puis donc on a une carte blanche que moi je ne vais pas utiliser mais que vous pouvez utiliser. Alors je vais vous montrer le petit guide. Il est extrêmement simple. Donc on a des mots-clés. Donc voilà, alors par exemple, hop, non attendez, on va commencer par regarder. Oui, alors il y a l'explication du tirage de la croix celtique. Et puis voilà, alors par exemple ici pour le fou, qu'est-ce qu'on a? Elle a mis plusieurs. Oui, les mots-clés sont liés à plusieurs types de domaines. Donc on a le domaine spirituel et le domaine matériel. Voilà. Et puis on a la signification en inversé. Alors voilà, on a ça. Alors pour le magicien. Ah, pour le magicien, on l'a pas, d'accord. Intuitive awareness. Donc on l'a que pour le fou. Et pour les autres, on a juste des mots-clés. Pour les mineurs, on a même chose. Donc carte droite ou inversée. Avec des choses très simples. Hein. Là, la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? Réceptivité, le ressenti, la compréhension, la sympathie, la chaleur, la sensibilité. Ok, donc ça c'est une vision en fait de la carte. On n'a pas tous les mêmes visions, surtout pour les cartes de cours. Vous pourrez de toute façon, si vous avez d'autres jeux, aussi utiliser les significations que vous connaissez, ou si vous avez des livres, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme livre? Par exemple, celui-ci, vous allez pouvoir utiliser les significations de ce livre-là pour travailler avec ces cartes-là. Donc voilà. Alors là, on a la photo d'Alison Stone. Donc qu'est-ce qu'on voit? Oui, et donc elle, c'est une artiste, hein, c'est une artiste avant tout, une peintre. Qu'est-ce qu'elle fait? De la psychothérapie aussi, holistique. Elle est prof de yoga, maître Reiki. Et donc elle fait du soin. Donc voilà. Alors moi en résumé, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement touchant et très original. C'est un jeu autopublié, mais old school, donc on n'a pas les super qualités de cartes avec la super boîte, etc. Mais c'est pas un jeu qui vaut 100 euros, c'est un jeu qui revient aussi à moins cher, donc qui est plus accessible. Moi j'aime ce mélange un petit peu, enfin j'aime les couleurs, hein, c'est vraiment les couleurs qui m'ont touché. Alors, on va le mélanger, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai des petites mains, donc pour mélanger je dois le faire comme ça, hop. Si vous avez. Hop, je vais mettre ma main de l'autre côté. Donc il se mélange bien. Les cartes sont souples, elles glissent bien. Alors il est un peu grand, hein, comme c'est un jeu qui a plutôt la taille d'un oracle. Mais voilà. Moi j'aime bien, je le trouve agréable. Hop. Et puis quand on va. Quand on va faire un tirage, on va avoir, voilà, donc on a le roi de Pentacle, hop, par exemple. Ici, par exemple, on va avoir le Hiérophante. Je trouve le Hiérophante a une tête sympa. Et puis le 8 d'épée. Donc vous voyez que il y a aussi, c'est un jeu qui va beaucoup parler à travers les couleurs. Donc là. Je vois que j'ai quand même une base plutôt bleue. Et autant ici, j'ai pas de rouge, mais ici, j'ai quelque chose d'assez rouge. Donc après, selon la façon dont j'ai posé la question, si je vais soit chaque carte va avoir une place particulière et va me donner une information. Donc par exemple, le passé, j'étais plutôt le roi de Pentacle, donc plutôt installé dans quelque chose de confortable, etc. Quelque chose même d'un petit peu figé. Et puis j'ai le hiérophante, alors peut-être un appel à la spiritualité, à l'ouverture.
Et puis le 8DP, ben, il va falloir que pour répondre à cet appel, ben, ça va peut-être être un petit peu douloureux. Il va falloir que je sorte en fait de cet enfermement au niveau des pensées, par exemple. Voilà, donc je trouve vraiment que c'est un jeu qui a quelque chose. Il y a un travail, on sent ce travail spirituel à travers les illustrations, et en même temps, voilà, j'aime ce côté naïf, voilà, Gauguin. Moi, j'ai grandi aussi avec des images de Gauguin chez mes parents, et donc j'aime bien en fait. C'est pas exactement Gauguin, hein, les gens qui connaissent vont se dire, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que tu penses à ça? Mais je trouve qu'il y a quand même cet esprit-là qui est assez présent, en tout cas pour moi. Voilà, ça fait résonner ça en moi. Et puis c'est, je trouve, il y a ce côté de spiritualité dans la matière qui est très fort dans ce jeu-là et que je trouve vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!